c'est un œuf de Pâques. Waouh! Morphe le peindre aussi. Morphe le peindre aussi. Yeah! Transforme-toi en pinceau. Morphe le peindre gros œuf. Je suis presque sûr que les dinosaures ont de très gros œufs. Dinosaures? Oui, c'est une super idée. Peignons des œufs de dinosaures. Waouh! Triceratops! Il a un œuf. Bonjour Triceratops, pouvons-nous peindre ton œuf? Tada! Ton œuf de Pâques est peint. Oh non! Hein? Oh! Voudrais-tu que nous peignions ton œuf aussi? Voilà, on dirait que le lapin de Pâques vous a laissé un cadeau. Waouh! Es-tu prêt à en peindre d'autres? Yeah! Youhou! Yeah! Plus de peinture! Salut tout le monde! Yeah! Aujourd'hui, Marcel et moi allons vous montrer différentes sortes de formes. Yeah! Il y a différentes formes de base. Il y a des cercles, les carrés, les triangles, les rectangles et les ovales. Morphel, transforme-toi en carré. Tu connais quelque chose qui a la forme d'un carré? Un cadeau. Oui, c'est un carré. Maintenant, transforme-toi en ovale. Sais-tu quel objet a la forme d'un ovale? Ovale,
chose qui a la forme d'un triangle. Pyramide. Waouh. Oui, une pyramide à la forme d'un triangle. Et la dernière est le cercle. À cause de Double Tout. En fait, il a le pouvoir magique de créer des copies de n'importe quoi. Drôle. Tiens, qui ça peut bien être? Bonjour, monsieur. Nous sommes d'innocents garçons scouts en promenade. Et nous vendons des cookies. Ils ont l'air délicieux. Je crois que je vais en prendre quelques-uns. Oh non! Mila, Morphle, les bandits ont enlevé Double Tout. Oh! Nous devons les rattraper, mais ils ont pris beaucoup d'avance. Que pourrions-nous faire pour les attraper? Précis. Pas assez rapide. Morphle, change-toi en... voiture de police? Super rapide. Oh non, cours! Où sont-ils passés? Je suis sûre qu'ils sont partis par là. Hein? Regarde, Morphle, ils sont derrière nous maintenant. Mais comment ça se fait? On vous tient maintenant. Double Tout n'est pas avec eux, Morphle. Où avez-vous emmené Double Tout? Double Tout? Peut-être qu'il est avec les voleurs d'instruments de musique. Ou alors avec les voleurs de plumes. Beaucoup trop de voleurs. Ou peut-être qu'il est avec les voleurs de Morphle. Morphle, transforme-toi. Et nous, on est les bandits Sparadrap. Oui. Avec notre nouvelle bandit mobile, on peut utiliser les pouvoirs de n'importe quel animal magique. Pas besoin de s'en mettre pour lui donner des ordres. Et avec Double Tout dedans, on peut créer des doubles de nous-mêmes. Des roues? Mais on ne veut pas être des voleurs des roues. Nous serons... des voleurs de trombone. Oui. Nous, les voleurs d'animaux magiques, avons volé Morphle. Super! Transformons-les en bulldozer pour qu'ils nous aident à voler toutes les roues des voitures. Oh non! Transforme-les en pinces à épiler pour que ce soit plus facile de déplumer. C'est ridicule! Complètement idiote! C'est vous, les idiots! Oh, il y a plein de Morphle. Yeah. Morphle, transforme-toi en pelle de serre. Morphle, change-toi en pince à épiler. Les Morphle ne font rien du tout. Bien sûr que non. C'est parce qu'il faut les mettre dans la bandit mobile.
Ne fais pas ça! Si tu remplaces double tout, nos copies vont disparaître! S'échapper? Morphle à plan? Changeons quoi? Non, Morphle pas plan. Tricycle! Non, pas assez rapide. Morphle besoin Mila. Enfin, maintenant, il faut absolument que je retrouve Morphle. Mila, Mila est de Morphle. Mila a trouvé plan. Te voilà, Morphle. Tu as raison. Mais il y a trop de voleurs. Et s'ils travaillent tous ensemble, on ne pourra jamais les arrêter. Voleurs pas travailler ensemble. Voleurs se battent entre eux. Vraiment? Alors je pense qu'on a peut-être une chance. Morphle 1, transforme-toi en T-Rex. Morphle 2, transforme-toi en robot. Morphle 3, change-toi en éventail géant. Maintenant, les Morphles, débarrassez-nous de ces plumes. Oh non! Morphle 4, change-toi en tremplin. Double tout, il nous faut plus de plumes. Non, il faut plus de roues. Enfin les roues. C'est une idée stupide. C'est toi l'idée stupide. Non, il nous faut des roues. Des plumes. Eh bien, je crois que maintenant on peut libérer Double tout. Non, non, non. Ce n'est pas ce que nous devons faire. Si, nous devons faire ça. Morphle, change-toi en grand robot et attrapons ces bandits. Hé? Quoi? Oh. Et puis, il y avait 4 Morphles et 4 des bandits. Et c'était vraiment excitant. Waouh, ça devait être effrayant. Nous, pas peur. Mais les bandits n'ont pas su travailler ensemble et se sont battus. Et pendant ce temps-là, on a pu sauver Double tout. Et après, il n'y avait plus qu'un seul Morphle. 2 Morphles, 2 câlins. Oh. Hé, hey, Yann. Oui, Stan. Je suis content que tu sois resté quand tous nos doubles ont disparu. Oh, moi aussi, Stan. Bonne nuit, Yann. Bonne nuit, Stan. Merci de porter tous mes livres, Morphle. Morphle, super. J'ai besoin de ton aide. Ce coquin de Sweeperbug a volé mes lunettes et les a cachées dans sa maison pour animaux. Ah, mes lunettes. Morphle fatigué. Morphle fait toujours tout seul. Oh, je suis désolé, Morphle. Oh, j'aimerais qu'on puisse faire tout ce que Morphle peut faire pour qu'il puisse faire une pause. Attends une minute, Mila. C'est une idée géniale. Voici le Glitterbug. Il peut transformer les humains en animaux de compagnie magique pendant une journée entière. Waouh! Tu peux nous transformer en Mila, transforme-toi en singe. Maintenant que nous pouvons nous transformer, tu peux prendre tout le repos dont tu as besoin, Morphle. Je vais me transformer en fusée. Maintenant, comment est-ce que je vole? Est-ce que tu as vu ça, Stan? Si nous volons la Glitterbug, nous pourrons être des bandits Morphle. Les bandits! Morphle, trans... Oh, je peux
transformer moi-même. Mila, transforme-toi en voiture de course. C'est trop cool. Waouh. Wow. Mais pas facile. Comment je m'arrête? J'ai besoin d'aller plus vite. On n'arrivera jamais à attraper les bandits comme ça. Transformons-nous en un robot, papa. Un bateau. Allons-y. Un robot. Waouh. Non, Morphel, on s'en occupe. Tu étais fatigué de tout faire tout seul. Tu te souviens? Morphel pas fatigué si on travaille tous ensemble. Vous ne pouvez plus fuir, bandit. On n'a pas besoin de fuir. Glitterbug, transforme-nous aussi. Nous ne sommes pas Morphel, Stan. Non, mais vous êtes des animaux de compagnie magique. Oh non, cours! Nous avons sauvé Glitterbug. Yeah! Maintenant, jouons tous ensemble. C'est d'accord. Maintenant, c'est l'heure de la fusée. Une pour toi. Une pour toi. Hé! Alors ça, c'est pas gentil, hein. Je crois que j'ai vu un Morphel vert. Il m'a pulvérisé de l'eau au visage quand je nourrissais les éléphants. C'est sûr que ça ressemble à Orphel. On va le trouver. Hé, les éléphants, savez-vous de quel côté est parti Orphel? Merci. Allons-y, Morphel. Hé là, petit gars, qu'est-ce que tu fais par ici? Vous allez bien, Lorenz le bâtisseur? Ouais, je vais bien, ça va. Mais ne le laisse pas s'en tirer comme ça, hein. Quelque part. Regardez. Hein? C'était Orphel. Vite, poursuis-le.
s'approcher de nous. Je ne sais pas quoi faire, Morphle. Si, on doit pas se cacher. Oh, mais ça me donne une idée, Morphle. Si nous nous cachons, il va s'ennuyer et venir nous chercher. Oh! Abandonnerait si facilement, n'est-ce pas? Et si on essayait de jouer à cache-cache sans effrayer personne? Ok, tu ferais mieux de te cacher, parce que nous arrivons. Quel super animal de compagnie magique tu as là! C'est Mouillette! Et il peut créer des rayons d'eau les plus géniaux! Oh, bah c'est génial ça! On pensait aller chercher des glaces en ville, mais ça serait beaucoup plus cool d'y aller en surfant! Hé Mouillette! Voudrais-tu créer un ruisseau d'eau à travers la ville? Salut le chien! Oh! Et bonjour madame! Oh! Ça a l'air si marrant! Mila, peut-on se joindre à vous? Bien sûr, Mouillette, peux-tu les prendre? Les bandits! Mouillette, peux-tu déplacer le ruisseau près de la route pour que nous puissions les attraper? Ah!
doit vite s'en aller, Stan. En effet pas. Notre panier voiture est cassé. On dirait que vous êtes coincé. Vous devriez profiter du voyage. Quelle journée ennuyante! Je n'ai toujours pas eu un seul client. J'espère que vous avez assez de glace, car nous avons tous vraiment très faim. Eh oui, oui, bien sûr. Et j'ai tout un tas de parfums différents. Citron, fraises, chocolat, banane, yaourt, ananas. Et voyons voir, mon parfum préféré, bois. Si vous voulez quelque chose. Vous nous avez encore attrapé. J'ai aussi de vous allez nous amener en prison maintenant. Et je fabrique tout ça. Eh bien, oui. Alors, si vous aimez, j'ai mais aussi voudriez-vous une glace d'abord? Et si vous aimez la vie épicée, nous avons un parfum piment surprise de la mort. Oh, ce parfum va vous dégager les sinus, croyez-moi. Lisons un conte de fées, Marcel. Oui, conte de fées. Ok. Il était une fois, Mila et Marcel marchant dans une forêt. Et à l'intérieur de cette forêt, ils ont vu une maison faite de bonbons. Waouh! Ils avaient très faim et voulaient manger la maison. Si grande. Allons chercher un remède pour me rendre petite à nouveau. Ouais. Ah, un dragon. Salut Mila et Marcel. Qu'est-ce que vous faites? Je me suis transformée en géante. Et maintenant, nous cherchons un remède pour me rendre petite à nouveau. C'est génial. Troy le dragon va vous aider. Le dragon qui les aide? C'est un conte de fées totalement stupide. Vous savez, j'ai entendu dire qu'ils peuvent tout guérir dans ce château là-bas. Super! Alors, allons là-bas! Oh non, vous n'irez pas. Je suis un pirate. Et il y a une prime sur les géants. Oh non! Je vais te protéger, Mila la géante. C'était beaucoup trop facile. Ce dont votre conte de fées a besoin, c'est un sorcier maléfique. Ce n'est qu'en me battant que Mila pourra redevenir petite. Oh non, le sorcier maléfique. Tu ne pourras jamais me vaincre. Nous allons voir ça. Je te le renverrai tout de suite. Ouch, ça fait mal. Je vais l'arrêter. Tu ne peux pas voler si ton ballon est percé. Oh, waouh. Ah. Enfin, robot, attrape sorcier. Je vais créer un portail pour que vous ne vous approchiez même pas. Quelqu'un veut un cookie? Biscuit. Pourquoi pas? Merci. Oh, j'ai une idée. Le sorcier maléfique ne peut pas dire ce qu'il fait pour nous arrêter quand il a la bouche pleine. Quoi? Mila la géante attrape le sorcier maléfique pour qu'il ne puisse pas s'échapper. Je vais l'abattre avec mon canon. Oui, et j'utiliserai mon feu. Morphel, vaisseau d'énergie. Je ne suis plus une géante.
nous. Ah. Ok, quel conte de fées allons-nous faire maintenant? Oh non! Et si nous allions manger une crème glacée, Marvel? Classe! Transforme-toi en bus! Ok, allons-y! Coucou, Mila et Marvel! Ah, ces deux singes se sont encore échappés. Il faut absolument qu'ils retournent aux eaux le plus vite possible. Est-ce que vous pourriez nous y emmener? Bien sûr. Parfait. Transforme-toi en un plus gros bus. Merci beaucoup, Marvel le bus. Et vous deux, vous devez retourner à votre rocher très rapidement. Glace maintenant? Oui. Mila, Marvel, Sarah et moi sommes en retard pour l'entraînement de basket. Pouvez-vous nous y conduire, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Ok. Allons-y, Marvel. Morphel. Merci, Morphel. Ouais, merci. Bonne chance. On a enfin trouvé le camion de glace. Bonjour, les enfants. Quel parfum puis-je vous offrir aujourd'hui? Je pense que j'aimerais... Oh, Mila, Morphel, oh, vous êtes là. Téléfox a la grippe des animaux magiques et doit être transporté à l'hôpital. Pouvez-vous nous y emmener? Nous irons manger une glace. Ok, allons-y. D'accord. Bon, eh bien, à bientôt. Hein? Mais pourquoi tu nous as emmenés ici, Morphel? Est-ce que l'hôpital a déménagé? Morphel n'a pas conduit ici. Ça doit vouloir dire que Téléfox a dû nous téléporter ici quand il a éternué. Ah, mais oui, ce doit être à cause de la grippe magique. Oh, je suis désolé, Marvel. C'est pas grave. Ok, nous devons nous rendre à l'hôpital rapidement. Marvel, transforme-toi en bus volant. Wow, chaud. Téléfox a dû vouloir aller dans un endroit chaud. Mais toujours pas d'hôpital. Côté hôpital, c'est le désert. Je n'ai jamais entendu parler d'un hôpital sous l'eau. Il n'y a aucun hôpital ici. Mais l'arbre qui porte les fruits dufteux pousse dans la jungle. Et le fruit dufteux est bien connu pour soigner la grippe des animaux magiques. Ah, je crois que j'en vois un. Le docteur Abraham. Docteur Abraham, est dans la jungle? Ah, bonjour tout le monde. Puis-je vous aider? Téléfox a attrapé la grippe des animaux magiques. Il lui faudrait un fruit dufteux pour se soigner. Je pense que Papa Jungle peut nous aider, non? Déjà mieux. C'était une grande chance de vous trouver dans la jungle, docteur Abraham. La jungle? C'est la jungle que Papa Jungle a créée, juste derrière l'hôpital. Eh bien, tu as fini par nous emmener à l'hôpital malgré tout, Téléfox. J'étais sûr qu'il était là. Ne vous inquiétez pas, les enfants. Je vais vous apporter vos glaces. Monsieur Miroir, peux-tu nous montrer ce qui se passe dans le monde du miroir? Mais bien sûr, je le peux certainement, Mila. Morphel aime le monde du miroir. Morphel!
Non, 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 Murfle. Remets-le en moi. C'est Orphle. Dans le monde du miroir, tout est à l'opposé de ce qui est dans notre monde. Et comme Murfle est très amical, j'ai bien peur qu'Orphle ne veuille faire que des mauvaises choses. Bien pensé. On ne peut pas laisser Orphle courir dans la ville et créer un désordre. Viens, Murfle, on va jouer avec Chroma pendant un moment. Bonjour, Murfle. Comment vas-tu aujourd'hui? Oh! Officier de police, cool! Ah! Qu'est-ce que tu fais? Murfle! Tu ne peux pas me laisser ici! Hein? On dirait que quelqu'un te cherche, Murfle. Ah, Murfle, maintenant, fais-moi redescendre d'ici. Merci, mais je n'apprécie pas ce genre de mauvaise blague. Hein. Mauvaise blague? C'est toi qui m'as mis sur le toit en premier lieu. Mais Murfle était à l'intérieur avec nous tout le temps. Non, il m'a mis sur le toit et il avait un rire bizarre, comme ça. Oh non, ça ressemble à Orphèle. Monsieur Miroir, montrez-nous le monde du miroir, s'il vous plaît. Oh non, Orphèle s'est échappé. Oh non. Nous devons le retrouver, les gars. Ma voiture! Qu'est-ce que tu fais, Murfle? Est-ce que tu construis quelque chose? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ce n'est pas drôle, Murfle! Ah! Te voilà! Cette plaisanterie a assez duré! Remets tout à sa place, s'il te plaît, Murfle! Mais Murfle n'a pas fait! Nous devons nous rapprocher! Transforme-toi en voiture de course! Et ma voiture! Murfle! Remets-nous au sol! Mais si c'est pas Murfle, qui est-ce? Murfle! Oh non! Gagne. Et qui est le vrai Murfle? Nous devons nous assurer qu'Orphèle ne peut plus prétendre être Murfle. Chroma, rends Orphèle vert. Orphèle vert? Attends, Murfle. Aidons Hugo et Agnès à descendre d'abord. J'espère que nous avons vu la fin d'Orphèle. Bonjour, Mila et Murfle. Ah, je suis très heureux que vous ayez voulu m'aider aujourd'hui. Ce n'est pas un problème. Nous aimons vraiment peindre. C'est génial. Maintenant, voici les quatre voitures que nous devons peindre. Et voici toute la peinture dont nous allons avoir besoin. Ok, tu peux amener la voiture verte par ici? Bien sûr! Murfle, transforme-toi en dépanneuse! Super!
Le client voulait que cette voiture soit bleue. Alors, bah, on va la peindre pour lui. Wow, tu es vraiment bon en peinture, Murphle. Ok, la prochaine est la voiture jaune. On doit la peindre en violet. Murphle voit pas voiture jaune. Moi non plus. Mécanicien Joe a dû se tromper. Où est la voiture, Murphle? Pas de voiture jaune. Si, Murphle, il y a une voiture jaune par là. Tu dois bien savoir quelle couleur est le jaune, n'est-ce pas? Bien sûr qu'on le sait. Ok, ok. Tu as dû la rentrer. Ah, dépanneuse jaune. Eh bien, si c'est ce qu'il veut... Arrêtez, Mila et Murphle! Qu'est-ce que vous faites? On peint ta voiture jaune en violet! Ouais! Bon, venez. Je vais vous montrer où est la voiture jaune. Ben, il n'y a pas vraiment de voiture jaune par là. Et la voiture qui doit être peinte en violet est celle-ci. Ah, je suis désolé, vous deux. J'étais sûr que cette voiture était jaune. Ok! Alors peignons-la en violet! Ça me semble parfait. Maintenant, je vous ai fait de la limonade. La limonade! Tu entends ça? Oh, regardez la voiture! Ah, maintenant, elle est jaune. Est-ce que je deviens fou? Changer la couleur de tout ce qu'il touche. Pas vrai, Chroma? Alors, je ne suis pas en train de devenir fou. Oh non! Les clients vont arriver d'une minute à l'autre. Vite, Murphle! Remorque les deux autres voitures jusqu'ici. Chroma, tu peux nous aider à peindre les voitures de la bonne couleur? Super! Ok, cette voiture jaune doit être violette. Cette voiture orange doit être verte. Tu peux faire ça aussi? Oh non! Les clients sont presque là! Et cette voiture doit être jaune. Wow! C'est magnifique! Ouf! Vous avez vraiment sauvé ma journée, tous les trois. Merci! Maintenant, ça ressemble à une fête. Hé, hey, Mila et Murphle, je peux emprunter Animi pour un moment? J'aurais besoin de son aide pour quelque chose. Bien sûr, papa. On dirait qu'Animi serait heureux de t'aider. Hé!
T-Rex. Laisse le bébé tranquille. Tu as ta propre tasse. Allez, jouez gentiment ensemble. Incra, agrandis le T-Rex aussi pour qu'ils puissent jouer ensemble. Non, Incra, c'est beaucoup trop gros. Oh non, Incra est trop fatigué pour utiliser ses pouvoirs magiques. Nous devons les arrêter avant que quelque chose de mal n'arrive. Super bien attrapé! Laisse-moi te remettre ce prix. Ah, pas le temps! Nous devons continuer, Marfel. Garde à vous! Ah non! Pas de bébé géant ou de dinosaures sur les bâtiments de ma ville! Oh non, nous devons aider l'officier de police Freeze. Marfel, transforme-toi en T-Rex super-héros. Merci, Marfel. Nous devons les emmener loin de la ville avant qu'ils ne fassent vraiment n'importe quoi. Transforme-toi en hélicoptère, Marfel. Tu veux l'hélicoptère? Eh bien, suis-nous. Qui veut jouer? Bienvenue à la pièce de théâtre de l'école. Cette année, nous jouons certaines des aventures de Marfel. Waouh! Je suis un dinosaure vraiment dangereux. Mila, Marfel, sauvez-moi! Ah non! Marfel, transforme-toi aussi en bon dinosaure. Oui, un dinosaure. Oh, ok. Stop. Jouons encore une fois. Et action. Ouais, Marfel le dinosaure. Tu as vu ça, Yann? Marfel joue dans une pièce de l'école. Que dirais-tu de te déguiser, Yann, et de rejoindre la pièce? Nous pourrons juste attraper Marfel, car personne ne remarquera que nous sommes les bandits. Oui. Ah! Oh! Bon travail, Marfel. Merci. Mais... Attendez une minute. Quel rôle jouez-vous exactement? Je suis Papa.
Et moi, je suis... les mères, bien sûr. Dis quelque chose. Alors, Murphel, papa est vraiment fier de toi. Rentrons à la maison. Hein? La fin. attendez. Les bandits. On a fini par t'avoir, Murphel. Quoi? C'était une super pièce de théâtre à l'école. Je me demande où est ma petite star. Papa! Murphel! Au secours! Attends, il y a deux Murphel? Allons-nous ça? Hein? Mila, transforme-toi! Mais c'était juste un jeu, Murphel. Je ne peux pas vraiment me transformer. S'il te plaît, transforme-toi en dinosaure. Ne nous mange pas. Nous allons laisser partir l'autre Murphel. C'est Mila. Ah, on s'est fait avoir. Eh bien, je crois que je sais de quoi va parler la pièce l'année prochaine. Oh, je peux jouer alors, Stan? Oh, regarde, Yann, j'ai une idée géniale. Tu as besoin d'aide, papa? Murphel peut se transformer en toutes sortes d'outils. Oh, ce serait super. C'est beaucoup de travail de construire un cabanon. Murphel, transforme-toi en marteau. Waouh, ça a l'air super, Murphel. Par contre, c'est un peu petit. Ne t'inquiète pas, on peut l'agrandir. Pas vrai, Murphel? D'accord. Alors, je vais commencer à peindre l'intérieur. Ah, voilà qui est parfait. C'est l'heure de faire une pause. Et si nous ajoutions une autre partie, Murphel? Comme ça, papa aura encore plus d'espace. Hé, Mila, qu'est-ce que vous faites? Nous construisons un abri de jardin. Ce sera le plus bel abri de tous les temps. Que ce soit le plus bel abri de jardin, il faudrait un toboggan et aussi un balcon. Oh oui, vous avez raison. Et une tour de guet pour voir les pirates. Très bien. Et une salle de jeu. Je crois qu'il faudrait qu'il soit plus haut. Mais nous avons utilisé tout le bois. Alors, allons en chercher d'autres. Murphel, transforme-toi en camion belle. Thank you.
l'abri le plus haut possible. C'est mieux comme ça. Ah oui, c'est le plus bel abri de jardin de tous les temps. J'ai toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Papa, que penses-tu de ton nouvel abri de jardin? Descendez-moi de là. Oh. Ah, bien sûr. On a oublié de construire une échelle. Ne t'inquiète pas, papa, on est sur le coup. Marfel, allons chercher plus de bois. Non, me laissez pas tout seul. Mila, Murfel, vous êtes toujours là? Il faut que j'aille faire quelque chose, Murfel. Mais c'est un secret, donc tu ne peux pas venir. Oh, mon fol, viens aussi. Non, Murfel, tu dois attendre ici. Au revoir, Murfel. Mila! Hé, hey, quoi de neuf, Murfel? Papa, c'est où est Mila? Non, désolé, Murfel. Mila! Qu'est-ce qui t'arrive, Murfel? Mila, ici? Non, désolé, je ne l'ai pas vue aujourd'hui. Quoi? Non, Mila n'est pas là. Mila, au jour? Ah! Oh! Non, Murfel, elle n'est pas là. Non, Murfel. Où est Mila? Murfel pleut. Pas dans ma ville. Allez, viens, Murfel. Je parie que Mila t'attend à la maison. Pas si vite, Murfel. Tu n'as même pas vérifié dans le jardin. Surprise! Mila! Joyeux anniversaire, Murfel. Maintenant, ouvre ton cadeau. La justice ne dort jamais. Mais vous devez dormir de 9h à 7h. C'est l'heure d'aller combattre le crime. Juste après le brossage de dents. Merci, Murfel. C'est formidable de toujours vouloir aider les autres. Oh, mais je ne voulais pas dire ensemble comme ça.
Si vous n'aviez pas volé ma voiture de police, vous seriez déjà en prison. Ça ne nous dérange pas. Oui. Murphle, c'est super que tu sois là. Pourrais-tu m'aider à amener ces bandits au commissariat? Ok. Oh non! Murphle, attends-moi! Bandit poste de police, au revoir! Il ne nous a pas mis en prison, Stan. Enfuyons-nous! Oh. Hey, Murphle, tu peux m'aider à soulever ces caisses? Elles sont vraiment lourdes. Oh. Non, Murphle, ne les mets pas sur le toit. Te voilà, Murphle. Que s'est-il passé? Ton petit ami rouge m'a mise dans l'arbre et s'est enfui. Mais ce n'est pas possible. Morphle n'a rien fait. Mais je sais très bien ce que j'ai vu. Murphle, où as-tu emmené les bandits? Nous n'avons pas vu les bandits. Je t'ai pourtant vu les emmener au poste de police, Murphle. On va encore attraper les bandits. Murphle, transforme-toi en robot. Ah non. Bon, la plaisanterie a assez duré, Murphle, hein? S'il te plaît, remets les caisses en place. Murphle était avec moi toute la journée, papa. Vraiment? Il ressemblait à Murphle et était rouge comme Murphle. Bon, à part les taches vertes, bien sûr. Des points verts? Oh, mais bien sûr, c'est Murphle. Il faut l'arrêter, Murphle. Salut, Murphle. Tu peux m'aider à faire de la place ici? Regarde, Murphle. Murphle s'est peint tout en rouge. Oh non! Nous allons le nettoyer, Murphle. Transforme-toi en camion de pompiers. Attention, Murphle! Ce n'est pas Murphle! C'est Murphle! Et maintenant, tu ne pourras plus jamais tromper personne, Murphle! Merci, le vrai Murphle! Bon, nous, on va à la plage. Les animaux magiques, occupez-vous bien du magasin pendant notre absence. Au revoir, tout le monde. Merde. Bon, au travail, Yann. Est-ce que tu as goûté, Stan? C'est trop bon. Bonjour, madame. C'est la chaleur qui vous dérange? Oh, terriblement. C'est gentil à vous de demander. Allez, vise-la, Yann. C'est beaucoup mieux, non? Le dernier dans l'eau est un cornichon. Aïe! Oh, ouf! Comment cette glace est-elle arrivée ici? Pas besoin de me remercier. Profitez-en! Ne t'inquiète pas, papa. Nous allons les arrêter. Transforme-toi
maintenant Fainé sans un. Ça c'est fait. Oh non, Morphel. Ne t'inquiète pas, Morphel, je vais te sortir de là. Alors, ils ont eu Morphel aussi? Papa, tu es libre. Oui, nous avons de la chance que le soleil soit si chaud aujourd'hui. Maintenant, sortons Morphel de là. Yeah! Maintenant, transforme-toi en Monster Truck. Mais avec tes pointes sur les roues pour ne pas perdre l'adhérence sur la glace. Qu'est-ce que tu dis de ça? Tu veux de la crème glacée? Monsieur Dauphin,
Bonjour, toi. Salut. Oh, ne sois pas triste, Marfel. On pourra toujours essayer de trouver l'île aux glaces l'année prochaine. Ah, oui. Oh, tu as envie qu'on te suive? Ok, Marfel, suivons le dauphin. Ouais. Oh, regarde, Marfel. Plus de sauvetage? Non, c'est l'île aux glaces. L'île aux glaces, je l'ai trouvé. Oh. Oh, Marfel. Oui. Bonjour, papa. On est rentré. Coucou, Milae. Oh, Morphel. Mais tu es tout sale. Qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, tout d'abord, nous avons vu une dame qui nous a demandé de l'aider à récupérer son chapeau. Oh, j'ai perdu mon chapeau. Pourriez-vous m'aider à le retrouver? Morphel s'est transformé en chien et a cherché le chapeau partout. Morphel, trouve le chapeau. Oui. La dame était très contente que Morphel le retrouve. Ensuite, nous avons vu Mécanique Joe. Morphel, j'ai besoin de ton aide. Ma dépanneuse vient de tomber en panne. Vraiment, merci, Morphel. Pourquoi vous n'avez pas remorqué la dépanneuse? Oui. Mais Constructeur Lawrence. Ensuite, Constructeur Lawrence nous a demandé de l'aide. Je crois que j'ai oublié ma perceuse en haut de l'immeuble. Morphel Gru. Ah, merci, Morphel. Super travail, Morphel. Mais maintenant, il faut que tu prennes un bain. Bain? Morphel aime pas bain. Morphel, reviens! Je t'ai eu. Oh là. Mais où est-il passé? Eh bien, au moins, Morphel est enfin dans le bain. Morphel aime bain. Quoi? Maintenant, tu aimes ça? Voilà, messieurs, comme vous l'avez commandé, beaucoup, beaucoup de robots. Parfait. Je suis heureux que vous ayez aimé les précédents, mais pourquoi avez-vous besoin de tout ça, si je peux me permettre? Pour rien, professeur.
Et s'il vous plaît, continuez à en construire pour nous. Mila, je veux récupérer ma voiture jouée. Voiture jouée? Je n'ai pas ta voiture jouée, Hugo. Si tu l'as, je t'ai vu la prendre. Si tu ne me la rends pas, je vais le dire à ton père. Mila n'a pas de voiture jouée. Bien, comme tu voudras. Hugo, attends! Ah, te voilà, Mila. J'étais en route pour un rendez-vous très important et tu m'as jeté de la boue. Mais je n'aurais jamais fait ça. Maintenant, je dois rentrer à la maison et me changer. Mais je n'en ai pas fini avec toi, jeune fille. C'est de la folie, Morphelle. Nous devons découvrir ce qui se passe. Transforme-toi en hélicoptère. Morphelle, regarde! Oh, Mila fait du désordre. Mais, oh, Morphelle, ce n'est pas moi, je suis juste là. Oh, ce doit être un robot. Poursuis-le, Morphelle. Transforme-toi en aimant. Allons le mettre en prison. L'officier Latol saura quoi faire. Officier Latol, nous avons attrapé un robot qui cause des problèmes. Tu veux dire, comme celui-là? Hein? Quoi? Combien y en a-t-il? Professeur, nous avons besoin de plus et des robots. Ouais, je travaille aussi vite que je peux. Je suis sûre que les robots sont partis par là. Là, là, beaucoup de Mila. Va nous chercher des glaces, robot. Ok. Il faut qu'on récupère cette télécommande, Morphelle. J'ai une bonne idée. Suis-moi. Regarde, c'est Morphelle. Morphelle. Morphelle, Morphelle, Morphelle. Attrapez-le. Où vas-tu comme ça, petit robot? Mais qu'est-ce que... Tous les robots, attrapez les bandits! Non! 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 Et bien sûr, vous étiez derrière tout ça. C'est vraiment étroit ici, Stan. Non, bougez, les robots! Glace! Non! Non! Bonjour, monsieur le marchand de glace. De glace, s'il vous plaît. Bien sûr, Mila. Quel parfum voulez-vous? Eh bien, quel est le meilleur parfum? Le meilleur parfum? J'ai bien peur que nous ne l'ayons pas. Vous voyez, le meilleur parfum a été créé par mon grand-père. Il avait l'habitude de voyager dans le monde entier pour collecter un ingrédient vraiment très spécial. Une fleur au parfum si doux qu'elle donnait à la glace. Un goût incroyable que vous n'aviez jamais goûté auparavant. Oh, on peut trouver cette fleur pour vous? Où pouvons-nous la trouver? C'est justement la partie très difficile. Chaque année, elle pousse à un endroit différent. Mais mon grand-père a laissé ses notes. Peut-être pourrait-elle vous aider dans vos recherches. On dirait que nous avons des voyages à faire, Morphelle. Transforme-toi en hélicoptère. Alors, ces notes nous indiquent la jungle, Morphelle. Alors, allons-y.
Morphel. Transforme-toi en chien de recherche. Une sorte de sucre. Oh, continuons à chercher. Je ne suis pas sûre que la fleur soit dans la jungle, Morphel. Oh, je la sens aussi, Morphel. Ça ne sera plus très long maintenant. Ouais, crème glacée. Et voilà, les meilleurs parfums. Waouh, c'est vraiment délicieux. Waouh, crème glacée. Encore, je suis désolé, Marfel, mais c'est toute la crème glacée que je pouvais faire. Tu peux peut-être lécher la cuillère. Yeah. Ah, il y a un crocodile dans mes pommes. Oh, oh, oh. Ah, un requin. Ah. Et vous gagnez le prix du meilleur. Arrosons notre magnifique jardin, Barkie. Attends un peu. Ce n'est pas un tuyau d'arrosage, c'est un serpent. Aujourd'hui, nous sommes les voleurs d'animaux sauvages. On vole des animaux sauvages et on les relâche dans la ville. Mais Stan, je pensais que nous étions... Chut! Relâchons le tigre. Ah! Oh non! Nous devons les aider, Morphel. Morphel? Morphel peut pas aider. Morphel peur du tigre. Le tigre me fait peur aussi, Morphel. Il est très dangereux. Mais tu n'as pas à avoir peur de lui, parce que tu peux te transformer en quelque chose de bien plus grand pour que le tigre soit effrayé. Oui, je sais ce qui fait peur à un tigre. Regarde, un grand T-Rex. Morphel encore effrayé. C'est normal, mais tu dois surmonter ta peur. Comme ça, tu deviendras plus courageux et tu auras de moins en moins peur. Ouais. Maintenant, faisons fuir tous les animaux sauvages de la ville. Boum. Boum.
entends ça? Grâce à ces animaux sauvages, tous les habitants restent enfermés chez eux. Ils ont tous peur. Comme ça, on peut exécuter notre vrai plan. Oui, en fait, nous sommes des voleurs de fruits. Yeah, 5 fruits et légumes par jour éloignent les maladies. Donc si on mange tous les fruits de la ville, on n'aura plus jamais besoin d'aller chez le docteur. Oh, et le docteur, ça fait vraiment peur. Tu entends ça, Morphel? Nous devons les arrêter. Change-toi en gros crocodile. Ah, un énorme et dangereux crocodile. Voleur, vous n'avez pas besoin de voler tous ces fruits. J'avais toujours peur du docteur, mais j'y allais quand même. Et maintenant, je n'ai plus peur du tout. Parce que quand on surmonte ses peurs, on devient plus courageux. C'est vrai? Bonjour, vous voilà. Entrez, n'ayez pas peur. Bah, il n'est pas du tout effrayant, Stan. Oh non, j'ai perdu mes lunettes. Ne t'inquiète pas, papa. Souviens-toi juste où tu les avais en dernier. Oui, bonne idée. Je les ai peut-être perdues quand nous sommes allés au pôle Nord voir l'éléphant des glaces. Oui, Morphel aimait l'éléphant des glaces parce qu'il fait... de la glace. Ah oui, je me rappelle maintenant. J'ai glissé sur un banana split et là j'ai perdu mes lunettes. Mais l'éléphant des glaces te les a rendues. Souviens-toi. Ah oui, c'est vrai. Alors, où es-tu allé après? Ou alors, peut-être que je les ai perdus ce matin dans le désert quand on a apporté Papa Jungle à son nouveau maître. Oh oui! Maintenant, je me rappelle. Ce singe de la jungle m'a volé mes lunettes. Il faut qu'on retourne dans le désert pour les retrouver. Transformé en singe aussi. Et te les a rapportés. Oh, oui, je me souviens. Donc, tu n'as pas perdu tes lunettes dans le désert. Où est-ce que tu aurais pu les perdre? Après, nous avons dû attraper l'animal magique qui s'est échappé. Chatouille, son pouvoir magique, c'est qu'il fait rire les gens de façon incontrôlable. Chatouille m'a fait rire si fort que mes lunettes sont tombées. Oui, mais je les ai rattrapées et te les ai rendues. Ah oui, tu as raison. Te souviens-tu de ce que tu as fait après ça, papa? Après ça, ben, je suis rentré et je me suis assis. Tu as raison. Oui. Ah, beaucoup mieux. Mon invention est prête.
Venez voir. J'ai inventé un sérum de jeunesse dont je vais vous faire la démonstration sur mon assistant. Oh, il est si mignon! Un chiot! Attention à l'éprouvette, Marfel! Oh, oh là là, mais je ne sais pas comment m'occuper d'un bébé! Marfel, tu dois l'amener à son papa pendant que je prépare un antidote! Oh, bonté divine! Marfel? Thank you.
Mila, Murfel, les bandits m'ont volé ma voiture à voyager dans le temps. Voilà donc à quoi sert cette machine. On va pouvoir voler les gens à travers le temps. Oh non! Change-toi en voyageur du temps aussi, Murfel. Il est temps de changer d'époque, Stan. Halte! Vous avez vu des bandits? Bandits? Mais non, Milady. Je suis le chevalier Pierre Latolus. Et vous êtes arrivé dans mon charmant village médiéval. Oh non! Change-toi en dragon, Murfel. Tu ne perds rien pour attendre, dragon. Je vais chercher ma vraie épée. On s'arrête là, princesse. Oh, tu vas bien, ma petite princesse? Je vais bien, cher père. Grâce à ce curieux voyageur. Mila? Moi? Non. Je suis la princesse Lila. Et voici Sir Père. Je suis Mila et voici Murfel. Murfel. Ravi de vous rencontrer. Dites, sauriez-vous où sont allés les affreux bandits qui ont volé notre trésor? C'est bien possible. Murfel, change-toi en grand voyageur du temps. Tu ferais mieux de courir. Pas de dragon dans ma vie, dans mon village. Nous sommes riches, Stan. Ya. Peut-être qu'on pourrait arrêter de voler. Non. Donnez-moi ce trésor, bande de canailles. Fuyons. Vous n'avez aucune chance. Vite, l'autre voiture. Oh, c'était pas cool. «
C'est vous qui avez fabriqué cet engin? Et vous êtes magicien? Oh non! Eh bien, en fait, je suis un scientifique. Comme c'est curieux. Bien, si vous avez un moment, je peux vous montrer comment ma machine fonctionne. Vous allez voir. Eh bien, vous serez toujours les bienvenus. Vous revenez quand vous voulez. Et pour revenir à notre époque, il suffit d'appuyer sur le bouton qui clignote. Ouais, celui qui est oui, à droite. Oui, je pense que nous reviendrons. Et en plus, les batteries se rechargent automatiquement avec le soleil. C'est très moderne et vous avez une option invisible. Oh, mignon petit lionceau. Ça me fait tout bizarre de penser qu'un jour, tu deviendras très grand et très féroce. Avec le zapper que nous avons volé au professeur Rachid, nous pouvons transformer ces animaux en animaux géants. Nous allons passer une super journée au zoo, Morphel. Oui. Mila, Morphel, les bandits transforment tous les animaux du zoo en animaux géants. Oh non! On doit récupérer le zapper. Morphel, change-toi en super-héros. Au secours! C'est vraiment pas. Yann, à toi de jouer. Oh oh, on n'avait pas prévu ça. On reviendra. Oui, oui. Super. Occupons-nous maintenant des animaux du zoo. Là-bas, c'est le pingouin. Ça alors? Et vous êtes devenu vraiment petit? Bah, petit ou grand, je vous aime quand même. Oh, Morphel, je veux jouer au conducteur de train. Transforme-toi en train. Conduisons le train dans ville.
Eh ben, ma voiture est tombée en panne. Maintenant, je ne peux plus faire mon safari photo et prendre des photos de tous ces animaux. Mais, oncle Wilfert, tu peux venir avec nous. Nous pouvons t'emmener partout où tu veux aller. Oh, merci beaucoup, Mila et Murphle. Si on allait à la mer. Ces photos vont être incroyables. Ouais. Mon appareil photo, rends-le-moi! S'il te plaît, rends-le-lui, singe! Ce singe a la même passion que moi pour la photographie. J'ai une idée. Il nous manque encore une photo. Une photo de groupe de nous tous. Tu veux bien prendre une photo de nous, les singes? Ah non, pas dans ma ville! Vise-le avec l'hypno-rayon, Yann! Suivez-nous! Oui, monsieur. Murphle, transforme-toi en robot géant! Il faut qu'on empêche Laurent et Joe de détruire la ville, Murphle! Maintenant, Murphle, aide-nous à détruire la ville. Ok, monsieur bandit. Oh non! Murphle est devenu méchant. J'adore ça. Grâce à l'hypno-rayon qu'on a volé au professeur Rachid, tout le monde va faire ce qu'on veut. Les bandits, ils ont hypnotisé Murphle.
Mais comment on va les arrêter si Murphle ne fait plus ce qu'on lui dit de faire? Ah! Ok! Nous y voilà, Yann! Cette fois, ça va marcher, Stan! Maman! Il y a deux personnes ici qui veulent te dire quelque chose. Ah, ce ne seraient pas les bons à rien qui me servent de fils. Je n'ai pas le temps pour vous deux maintenant. Le président ne va pas tarder à chanter. J'ai autre chose à faire. Dites-lui, dites-lui. Je voulais vous dire que vos fils sont les plus grands méchants que j'ai jamais vus dans ma ville. Ils sont vraiment très méchants. Qu'est-ce que vous racontez? Mes fils n'ont jamais été de vrais méchants. Et maintenant, voilà qu'ils invitent la police chez moi. Vous êtes encore pire que je ne le pensais. Maman, dites-nous que nous sommes vraiment des grands méchants. Oui, dites que vous êtes fiers de nous. Ça suffit, les bandits. Pourquoi on ferait ça? Tu n'es qu'une petite fille inoffensive sans ton machin rouge qui t'obéit. Tout le monde, attrapez-les. Hein? Mais pourquoi ces gens suivent-ils vos ordres? Tu les as hypnotisés? Les gens ne devraient pas faire ce que vous dites parce que vous les forcez. Ils doivent le faire parce qu'ils sont d'accord avec vous. Et pour avoir détruit la ville, je vais vous mettre tous les deux derrière les barreaux. Vraiment? Vous les arrêtez? Eh oui, maman. On se fait tout le temps arrêter. Oh mon Dieu, les garçons! Finalement, vous êtes de vrais méchants après tout. Je suis si fière de vous. Tu as entendu, Stan? J'ai entendu, Yann. J'ai entendu. La ville est à nouveau parfaite. Mais les enfants, il est temps d'aller au lit maintenant. Non, papa, on ne veut pas aller au lit. Tu te souviens, on ne doit pas faire ce que les gens disent, sauf si on est d'accord avec eux. Tu as raison. Mais les petits-enfants doivent toujours obéir à leur papa. Seulement les papas? Et à maman, aux instituteurs, à l'école, obéir aussi aux policiers. Et à grand-père, et à grand-mère, et... Nom d'une éprouvette! À l'aide! Les voleurs des cadeaux de Noël ont utilisé ma machine à remonter le temps pour voler un T-Rex dans le passé! Mais maintenant, on n'est plus les voleurs des cadeaux de Noël! Maintenant, on est les dino-voleurs! Murphle, transforme-toi en voiture de police! C'était pas assez difficile, n'est-ce pas? Non, maintenant c'est notre ville. Voilà, messieurs. Bienvenue dans ma ville. T-Rex est blessé au genou. Murphle, change-toi en ambulance. Une grande ambulance pour dinosaures. Je crois que ce sera un peu trop petit. Murphle,
merci de venir avec moi chez le docteur Morphel, même si c'est un peu ennuyeux. Morphel aime le docteur. Ça fait plaisir à entendre. Maintenant, asseyez-vous là. Votre vue est meilleure ou pire? Pire. Et là? Mieux. Maintenant? Pas de changement. C'est terminé. Morphel veut faire un test aussi. Très bien, alors. Est-ce que ta vue est bonne, Morphel? Pas bien. Et là? Et maintenant? Oui, oui, Morphel voit bien. C'est ce que je pensais. Je vais t'imprimer les résultats. Surtout, ne les mélange pas, Morphel. Oh! Bye bye! Hé! Hey, attends, Morphel! À la prochaine fois, docteur! Au revoir! Maintenant, laisse-moi voir mon test, Morphel. Oh, wow! C'est écrit que je n'ai plus besoin de porter de lunettes? Maintenant, fais voir le tien, Morphel. Oh mince! On dirait que c'est toi qui as besoin de lunettes. On va les ajuster un peu pour qu'elles taillent bien. Es-tu heureux avec tes lunettes, Morphel? Oui, Morphel est heureux, mais Morphel voit mal. Moi non plus. Mais le docteur sait ce qu'il fait. Je pense que nos yeux ont juste besoin d'un peu de temps pour s'adapter. En attendant, pourquoi n'irions-nous pas jouer à la plage? Oui! Qu'est-ce que vous faites? Les gens ne sont pas très amicaux aujourd'hui. Wow! C'est une belle journée pour être à la plage. Ce sont les meilleures vagues que j'ai jamais vues. Mais tout ce sport m'a ouvert l'appétit. Allons nous chercher de la glace, Morphel. Rafraîchissant. Attends, je regarde s'il est l'heure d'aller chercher Mila à l'école. Oh, c'est bon, on a encore le temps d'aller nourrir les animaux magiques au magasin, hein, Morphel. Je crois qu'il est temps d'appeler ton père. Je ne peux pas croire qu'il m'ait oublié. Je dois nourrir celui-là. Donne-moi la nourriture pour animaux magiques, Morphel. Qu'est-ce que vous faites? Êtes-vous aveugle? Loin de là. On vient juste de se faire contrôler les yeux, officier de police Freeze. Je ne suis pas l'agent de police Freeze. C'est Kenneth, le gardien du zoo. Oh, tu es Kenneth? Peu importe. C'est Morphel qui a besoin de lunettes, pas moi. Hey! Regardez! C'est vous qui avez besoin de lunettes, pas Morphel. Hé! Hey! En effet, c'est pas l'animalerie magique. Oh non! Je crois qu'on a mélangé les résultats des tests. Oh, regarde l'heure! On doit aller chercher Mila à l'école, Morphel. Oh, Mila! C'est de là. Je suis content qu'ils aient Mila pour garder un œil sur eux. Morphel, transforme-toi en train! Amusez-vous bien à la plage, tout le monde!
Raphaël, je sais pas. Et maintenant, c'est la girafe qui a disparu. Voleur. Oui, on dirait bien. Ces bandits ont dû les enlever. Nous devons les trouver. Ah, vous voilà, voleur. Qu'avez-vous fait de tous les animaux? Hein? Quels animaux? Les animaux qui étaient dans les wagons et qui ont disparu. Demande plutôt à tes singes pourquoi ils font ça. C'est incroyable! Arrêtez-vous, bandit! Plais vite, Yann! Plais vite! Vous êtes en forme, Kenneth! J'arrive, Marfel! Oui! Ça doit être mon jour de chance. Au lieu de porter cette lourde caisse, je peux juste la pousser sur la glace et la livrer en un rien de temps. Oh, non, 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 non! Attention tout le monde! Caisse hors de contrôle!
Nous devons l'aider, Morphel. Transforme-toi en un traîneau. Vite, accrochez-vous. Merci, Mila. Il faut sauver la caisse. Il y a quelque chose de très précieux dedans. Ne vous inquiétez pas, on s'en occupe. Finalement, je vous ai attrapé, bandit. Maintenant, je vais vous emmener... Oh! Voilà ce qui arrive quand vous essayez de vous frotter au bandit. Attrape-les, Morphel. Vous allez quelque part, bandit? Apparemment, non. Officier de police Freeze, sautez vers nous. Je vous ai manqué. À peine. Merci, Mila et Morphel. Vite, Morphel, sauvons cette caisse. Tu as raison, Morphel. Elle s'arrête. Oh, regarde! Ça doit être les pulls que j'ai commandés. Juste des pulls? Je pensais que c'était quelque chose de valeur. Fait à la main. Et c'est moi qui les ai dessinés. Qu'est-ce qu'il y a de drôle?